Salut tout le monde. Alors je suis très content de vous retrouver. Je sais pas si vous avez entendu le générique, toute la présentation de début de vidéo avec la prod, on a mis tout le budget là-dedans, il n'y a plus d'argent pour le reste, hein, je vous préviens. C'est pas grave, je suis très content que vous soyez avec moi. Je suis au Pérou, à Lima, comme vous le savez. Je voulais vous faire une petite vidéo, la première vidéo de ce petit voyage. Je voulais qu'elle porte sur le Machu Picchu parce qu'on ne peut pas venir au Pérou, à Lima, etc. et pas aller au Machu Picchu. Donc je voulais vous faire voir un petit peu comment ça allait se passer pour aller visiter le Machu Picchu, tout ce qu'il fallait faire, les transports qu'il fallait prendre, etc. Quelle ville, comment ça se passait, qu'est-ce qu'on mange. Voilà, je voulais faire un petit topo de tout rapidement. Et voilà, je suis très content de vous faire voir tout ça. En attendant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller manger un petit morceau dans un petit quartier sympathique de Lima. Et puis après, bon, au fur et à mesure, on va faire évoluer les choses. Et vous allez tout savoir sur le Machu Picchu jusqu'à ce qu'on arrive là-bas et que je vous fasse voir tout ça. Ça va être très sympa. Je vous remercie beaucoup d'être avec moi et je vous dis à tout de suite. Alors voilà, chose promise, chose due. On est parti faire un petit tour à Barranco, donc dans ce petit quartier de Lima qui est très sympathique. Et on a essayé de voir un petit peu ce qu'on pouvait manger par ici. Donc déjà, il faut trouver un bon petit restaurant. Il y en a beaucoup par ici avec des belles couleurs, avec des choses très sympathiques, des belles décos. Il faut savoir qu'on est à 300 mètres du Pacifique. On est à 300 mètres du Pacifique. Alors moi, je voulais à la base vous faire découvrir un plat qui s'appelle le couille. Le couille, c'est un cochon d'Inde qui fait à peu près 3, 4, 5 kilos. Ce n'est pas ceux de chez nous. Je n'ai pas réussi à trouver le couille pour l'instant. J'espère que je le trouverai avant la fin de la vidéo et je vous ferai voir ça. Mais on peut quand même trouver des plats comme ça, un petit peu au Pérou, qui sont très sympathiques. Vous avez ici le ceviche. Alors, ceviche, c'est pas comme celui au Mexique où il y a beaucoup d'avocats, de tomates, etc., etc. Ici, il est tout le temps servi comme ça. C'est un poisson qui est mariné au citron avec beaucoup d'échalotes dedans et quelques bananes plantains frites. Juste à côté, il est tout le temps servi comme ça. Il n'y a pas d'avocat, il n'y a pas de tomates ici au Pérou. On va pouvoir avoir aussi du poisson frit qui est servi toujours avec un riz sauté, un petit peu à l'asiatique, un riz sauté. Alors parfois il y a même du poulet dedans avec le poisson frit ou quoi que ce soit. Et on a le filet de bœuf, le steak de bœuf tout classique avec de la salade. C'est très rare de trouver de la salade au Pérou, des tomates au Pérou. Souvent c'est que du riz, des frites, etc. Et puis le petit épi de maïs, le petit maïs qui va bien, qui est juste rôti et avec quoi on peut se régaler au Pérou. Alors voilà, le petit repas très sympathique. Je vais goûter tout ça et puis un peu plus tard je vais vous expliquer la suite de l'aventure parce que le but c'est d'aller au Machu Picchu et on va voir comment on va s'organiser pour y accéder. À tout à l'heure. Bon ben voilà, j'ai mangé, je me suis bien rassasié, je suis extrêmement déçu parce que j'ai pas eu mon cochon d'Inde pour le repas, mais c'est pas grave, ça n'est que partie remise. Du coup maintenant je vais aller vers la gare routière. Alors pourquoi? Parce que je vous ai expliqué tout à l'heure tout ce qu'il fallait faire pour aller visiter le Machu Picchu. Il y a eu les 11 heures de vol d'avion, ça on n'a pas le choix du tout. Et maintenant on a deux choix, donc soit vous prenez le bus à la gare routière et vous avez 22 heures de bus pour aller jusqu'à Cusco, qui est une des villes principales avant le Machu Picchu. Vous n'avez pas le choix, vous devez passer par Cusco pour aller au Machu Picchu. Ou alors vous prenez l'avion, vous en avez pour 3 quarts d'heure, 1 heure. C'est un tout petit peu plus cher, c'est pas forcément plus cher. Voilà, ça se joue à peut-être 50 balles près. Mais en tout cas, moi j'ai choisi le bus parce que ça se mérite le Machu Picchu. Donc direction la gare routière et c'est parti pour 22 heures de bus jusqu'à Cusco. Merci et à tout à l'heure. Bon ben voilà, les billets de bus sont pris pour aller à Cusco. La petite ville juste avant le Machu Picchu, départ ce soir 8h, arrivée demain 18h, 22h de bus, c'est parti!
s'est enfin arrêté après 15 heures de route. Il nous en reste encore 6 à peu près. Les chiottes sont pris d'assaut derrière. Et voilà, on s'est arrêté dans un petit truc avec un restaurant juste là. Et voilà, on va manger un petit morceau, ça va faire du bien. Et puis après, on est reparti pour 6 heures de route. Voilà, on n'est pas encore arrivé. Bon bah voilà, alors je suis rentré dans le restaurant. Alors à l'intérieur c'est un petit peu Wall Street, hein. Il y a tout le monde avec des billets à la main qui tendent, etc. au comptoir parce qu'ils veulent manger très très vite, etc. etc. Donc le souci c'est que moi j'ai pas eu le temps de manger. Je voulais vous faire découvrir un plat qui s'appelle Caldo de Gallina. C'est une soupe avec un gros morceau de viande dedans, avec plein d'os, avec des grosses nouilles dedans. J'ai pas eu le temps, du coup j'ai pris à emporter, donc j'ai pas pu prendre cette soupe là. Donc du coup, bah, je sais pas non plus ce que j'ai pris à emporter parce que j'ai demandé à la dame, tiens, je voudrais du saltado, du machin. Elle m'a dit non, emporter, c'est trop long à faire, donc t'as que ça. Donc je sais pas trop ce qu'elle m'a sorti comme nom. Et puis après, elle m'a dit soit pollo, soit galia. Donc pollo, c'est du poulet. Donc, et galia, je sais pas du tout ce que ça veut dire. Donc je lui dis, bah, tu me mets un des deux. Et donc, et ben, voilà, donc je suis reparti avec deux barquettes. Je sais pas trop ce qu'il y a dedans, en fait, finalement. Elle m'a quand même mis ça, des petits piments, piments et citron vert qu'on retrouve un peu dans tous les restaurants. Voilà. Et il n'y aura pas de citron vert. Et puis voilà, bon, on va découvrir tout ça dans le bus parce que le bus est en train de partir. Donc on va manger tout ça dans le bus et on va découvrir un petit peu ce qu'elle nous a mis à emporter. Alors voyons voir ce que nous allons manger à midi. Qu'est-ce que c'est que ça? Alors on a du riz effectivement. On a des petites patates en dessous, mais par contre, on dirait un petit peu de dinde. On dirait de la dinde. Voilà, c'est un peu... Ouais. Quelle partie de la dinde? C'est quelle partie de la dinde, ça? Bon, attends, je vais ouvrir le deuxième. Je vais ouvrir le deuxième. Le deuxième, on verra. Alors, je suppose que le premier, c'était Galia. Ça devait être de la patate ou de la dinde ou quelque chose comme ça. Et là, normalement, on devrait avoir du poulet. Voilà. On a un petit morceau de poulet sympathique avec riz patate. Hein, ça, c'est... Au Pérou, voilà, c'est la base au Pérou, hein, patates, riz, et de temps en temps pour changer des pâtes. Voilà, et bah écoutez, bon appétit, il nous reste encore 5 heures de bus, 5-6 heures de bus, oui. Bon appétit! On est à 14 heures de bus, on s'est toujours pas arrêté pour manger ou pour se dégourdir les gens. Style le Pérou, style.